Jodia, c'est un grand plaisir pour que nous soyons capables de dialoguer avec un leader dans la communauté haïtienne dans le pays Mexique. Leonardo Salier, pasteur et politologue, Fristel Joseph. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, et bonsoir Leonardo et bonsoir tous téléspectateurs monde qui remet Leonardo. Son plaisir pour nous recevoir et plateforme Leonardo aujourd'hui à l'église évangélique chrétienne du Mexique et qui c'est aussi Iglesia de Cristo Siquem Mexico qui c'est de l'église que moi-même serviteur a dirigé. Eh bien nous dit bienvenue à Leonardo. Déjà, je vous remercie parce que jeudi, à cette première fois, nous rencontrer. En même temps, vous avez organisé une sorte de rencontre pour que dans la Fédération haïtienne de la diaspora, je ne connais pas si c'est comme ça. Fédération de la diaspora haïtienne du Mexique. Haïtienne au Mexique. Pour recevoir la plateforme Leonardo, ça fait plaisir en pile. Je me suis senti que je fais partie de la famille. Et l'objectif de l'interview, ça, et moi, je vais nous dialoguer déjà. Vous avez dit que vous avez environ 14 ans ici. Effectivement, Leonardo. Bon, premièrement, il faut me remercier Leonardo, qui est la première plateforme médiatique que nous avons dans la communauté. Okay? Tant qu'on m'a toujours dit, et compatriotes, les ou pas gagner un média dans le pays, vous comprenez, presse, et tout ce qu'on fait dans le pays, il n'y a pas fait trop grand écho. Okay? Mais avec Leonardo, il y a un pile bagaille, un pile perspective qui gagne pour la communauté et dans le pays et Mexique. Effectivement, moi, j'ai 14 ans ici au Mexique. On va qui capable de surprendre et un pile monde. Et nous, arrivés ici en janvier 2010, tout de suite après le tremblement de terre qui était passé dans le pays d'Haïti, parce que avant nous étions séminaristes, nous étions dans le processus pour une paix. Et après, et première étude nous en Haïti qui s'est études philosophiques, parce que nous avons fait licence universitaire là, dans le pays d'Haïti, dans le grand séminaire Notre-Dame et d'Haïti. Et puis, voyez-nous ici au Mexique, pour nous être capable de faire une expérience linguistique et culturelle. Et de là étant, nous avons pris une décision et pour nous arrêter dans le pays Mexique, parce que nous aimons le pays. 14 ans d'expérience. 14 ans d'expérience, yeah. 14 ans de réussite, tant qu'on me dit, 14 ans bénédiction, 14 ans l'argent, 14 ans connaissance. Vous voyez, et son bagage extraordinaire ici au Mexique. Nous jouons tout ça au monde, dans nos pays pour fonctionner bien. Vous voyez, et nous étudions ici au Mexique. Moi-même, j'étudie sciences politiques et administration et publique dans le pays Mexique. Et puis, normalement, dans ce qui vient pour l'activité de travail, j'ai commencé tout petit. D'ailleurs, je suis toujours prêt pour me dire, j'ai commencé tout petit. Je me souviens en 2011. Le premier travail, moi, c'était après le restaurant, non? Dans la V assiette. Et tout de suite, maître restaurant, d'après le dit, non, vous-même, vous pas placé pour dans le restaurant. De préférence, je cherche un bagage qui plus aller avec profil. Hein? Après une semaine, je quitte le restaurant. Et d'après rencontré un Africain. Mon Congolais qui dit qui nationalité, me dit haïtien mieux. Et puis rapidement monsieur dit on travaille ici, me dit non, on pas travailler. Monsieur dit mais ici a grand pile opportunité pour haïtien. D'ailleurs toute l'école qui va langue ici a anglais, français, c'est haïtien ou toujours chercher pour faire. Vous comprenez? Et puis rapidement me d'avoir découvrir grand pile opportunité pour haïtien ici. Rapidement m'entrer, commencer enseigner dans centre langue, après ça m'est tombé dans l'école classique, me grandi dans secteur privé là. Et après, je fin fait et double licence moi ici au Mexique qui c'est sciences politiques et administration publique. Rapidement, je d'abord joindre un job l'État côté l'État de Vérelim pour mal participer dans concours. M'arrivais me lauréat dans concours et puis depuis lors nommé officiellement dans l'État. Moi-même, c'est fonctionnaire l'État ici au Mexique. Quand je travaille dans normal supérieur, je travaille spécialement dans et laboratoire psychopédagogique de la normale supérieure. Est-ce que jusqu'à présent, vous résidez ou bien vous naturalisez? Jusqu'ici, moi-même, c'est un résident permanent. Et parce que
nous tellement gain en pile projet, en pile perspective, vous comprenez, nous limiter en résidence permanente, mais en résidence permanente ici au Mexique pratiquement comme nous que c'est celle vote pas voter. Celle vote pas voter, mais le bon possibilité pour faire tout sauver dans le pays là. Business, l'école, caille, tout bagaille vous voulez faire dans le pays là, au capable faire. Mais c'est une dans pays qui offre toute possibilité ça ensemble avec en résidence permanente. D'ailleurs depuis où prend résidence permanente en immigration même, moi même dans le recevra résidence permanente songe en 2015 parce que me fait tout 2010 à 2015 c'était avant résidence temporaire. Voyez en 2015 m'vinn gagner résidence et permanent. Les mal recevra, yo dit que est-ce qu'on connaît ou sont mexicains à 95% parce que seul petit bagaille ou pas ka voter. Mais souffle prendre nationalité mexicaine là, ou capable mandel. Vous comprenez, mais moi-même, je n'ai pas décidé et demandé. Mais je n'ai pas aucune limite ici, je fonctionne normal. Et tant que je toujours dit, après 14 ans, si vous avez mon liste qui gagne Mexique là-dedans, je vous garantis que je vais même mettre même sous Mexique pour continuer à vivre ici normal. Ok, même j'ai avec vous-même, est-ce que la communauté haïtienne est vraiment large ici dans le pays? Et nous gagnons une communauté qui est plus professionnelle ici au Mexique, qui est plus professionnelle, qui est formée de médecins, formée d'ingénieurs, de plusieurs cadres, de plusieurs cadres. Mais le pays a tellement large, cadre ça, et éparpillé dans tout le pays. Il est éparpillé dans tout le pays, dans plusieurs États. Et si nous avons songé sous le gouvernement Martelly, t'es gagné et environ 300 jeunes qui t'es venu étudier ici. Dans 300 jeunes, ça a été venu étudier ici jusqu'ici. Soit le chercher ou abjoindre pour pipiti gain 250 et pour ne pas exagérer qui toujours ici. Voyez, et qui travaille dans tout domaine ici, là, dans le domaine médical, dans le domaine et tout type de domaine qui est professionnel qui gagne. Voyez, et étudiants ça ou bien professionnels ça a étudié dans les différentes université d'État ici dans le pays Mexique. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, et par rapport à des couloirs qui ouvrent pour traverser de Mexique à États-Unis, ou pas arriver à joindre, et par exemple, l'idée ça vous a dit, ah, pour qui ça m'a fait traverser, elle fait expérience aux États-Unis? Et c'est une belle question, et ce n'est pas le premier monde qui pose une question, hein? Et il y a plusieurs monde qui toujours pose une question ça. Et au contraire, l'aime d'entrer ici au Mexique, occasion, ça nous en a vivre là actuellement là, qui est très difficile pour un monde rentrer les États-Unis. Entrer les États-Unis, c'était comme on dira dire, c'était sortir n'importe la caillou, vous comprenez, et puis retourner entrer. Avait dit à nous connaît tout de suite après le tremblement de terre qui était passé en Haïti en 2010, en pile haïtien d'avoir arrivé au Mexique, non? Parce que le Mexique t'est facilité en pile haïtien arrivé dans pays là. OK? Et à l'époque, c'était Obama qui était président des États-Unis. Et Obama a facilité Haïtien à cause de catastrophe, ça qui était catastrophe naturelle, ça a favorisé Haïtien à entrer librement aux États-Unis. OK? Et moi, j'ai un pile et amis, un pile compatriotes qui étaient là ensemble avec moi, qui dit, Frisnel, et mon cher, en aller aux États-Unis. Je me dis, non, je ne peux pas aller aux États-Unis parce que moi, je suis avec depuis que je fait. Gon grain bagaille maman mak papa montre me c'est livre yo montre me dit depuis me pas dans pays me vienne c'est connaissance y a fait cadeau on prend moi même c'est là qui pays on prend et puis me décider moi même rester là et c'est là me faire toute expérience maintenant international là et je dis grâce à Dieu son grâce nous ka dit que nous parmi les leaders haïtiens les plus influents au monde. OK, et quel est ça m'avant nous t'a dialoguer et par rapport à quantité événements qui passaient en prison sur ici dans le pays Mexique, parce que là depuis 2010. Yeah. Et tu as eu une crise, ça fait quelques années ici là. Vous avez expliqué nous que vous avez une fédération qui est à la tête ici là, qui est une sorte d'organisation pour Haïtiens, côté nous t'es arrivé aider des mondes. Si tout dans le même moment, tu as eu une crise en bas contre Texas là, faut expliquer nous position dans la fédération et comment les capables de servir la communauté haïtienne. Il y a effectivement, suite à la crise migratoire qui a commencé et pratiquement 2020-2021 dans l'État de Chiapas et dans Tapachula, dans la ville de Tapachula, eh bien, nous-mêmes, là, nous étions dans des situations haïtiennes. Parce que normalement, à l'époque, c'était en prison à ciel ouvert qui était gagné et Tapachula, non? Et côté que les compatriotes ne peuvent pas ni monter ni descendre. Vous comprenez, c'est là où tu étais, parce que zone n'était militarisée totalement.
le Mexique a décidé sous pression et Donald Trump, le Mexique a décidé de militariser son nom. OK? Et les autres militarisés sont là. Nous-mêmes, nous avons tant de souffrances haïtiennes. À l'époque, tu as gagné seulement sous et place à Olympique. Et tu as battu là, tu as gagné pratiquement 45 000 haïtiens qui ont dormi. Dormi, levé là sous place là. OK? Dormi, levé là sous place là. Et femmes enceintes, femmes qui gouvernent, qui ont passé combien de jours pas bien, qui pas manger, qui. Vous comprenez? Pile le problème que tu as gagné sous place là à l'époque. Et puis moi-même, avec un autre groupe jeune et intellectuel haïtien ici de Mexique, nous avons pris la décision pour nous fonder une organisation. Et tout de suite, en 2021, du moment que nous avons fini de fonder l'organisation, rapidement, nous avons fait une visite dans Tapachula. Okay? Nous avons fait une visite de pratiquement 3 ou 4 jours dans Tapachula. Et puis, de là étant, nous avons réunis ensemble avec des milliers de compatriotes dans Tapachula. Okay? À l'époque, l'ennemi de Tapachula, et la majorité des compatriotes pensaient que c'est moi-même qui était ambassadeur haïtien ici de Mexique. Vous comprenez? Parce que je disais, première fois, il y a une autorité qui vient visiter. Parce que nous parlons tant qu'autorité, vous voyez, nous te prenons position tant qu'autorité et nous rencontrons toute organisation qui concernait, toutes institutions et étatiques qui concernaient la situation, nous te contactons. Et tout de suite, nous avons dirigé une lettre par l'immigration, par l'immigration mexicaine, et qui t'a répondu nous une semaine après, en moins qui t'a dit nous, suite à la revendication, suite à différents points nous présenter, mais qui décision, nous t'a prendre. Et c'est là, Ticat, un an ça, qui visite en DEA, c'est là, nous t'a commencé, côté un pile compatriote, t'es venu bénéficier, les AO te mettent bus à la disposition, et compatriotes, pas seulement compatriotes haïtiens, parce que c'est une crise totale qui te concerne plusieurs nations, ok, plusieurs nations. Et puis là, en pile haïtien, ça va commencer à remercier nous, dit nous, c'est grâce à l'intervention Fédération de la diaspora haïtienne du Mexique que vous même d'avoir eu une chance pour quitter Tapachula, parce que vous ne savez pas combien d'années, combien de mois vous avez passé dans Tapachula, parce que à l'époque, Tapachula, c'était on l'en fait sous terre qu'elle était. On l'en fait sous terre qu'elle était. Et vous avez profité des migrants autour à l'époque. Ils étaient plus considérés comme touristes, ils ont fait dépenser l'argent et l'autre bord. Vous comprenez? Dans le cas, tout le cas était venu chez l'autre bord, en pile, et Mexicain dans Tapachula, tu es obligé de quitter Caillou et aller rester dans l'autre zone et périphérique pour mettre Caillou loué à migrants, vous comprenez? Pour faire l'argent. Ça veut dire que c'est un bagage, une situation qui était extrêmement difficile pour Haïtiens et l'autre bord. Et depuis l'existence, organisation ça, dans le pays Mexique, dans le pays service, Haïtiens n'ont pas jamais quitté nous en paix même, parce que c'est celle nous-mêmes qui voit Haïtiens. Et nous travaillons tout en collaboration ensemble avec l'ambassade pays d'Haïti, n'importe ça qui gagne, ils ont toujours mettez nos courants de lit. Ils ont toujours mettez nos courants de lit, surtout quand nous-mêmes sommes organisation civile. Hein? Bon, ils ont même ces autorités, ces représentations diplomatiques, il est plus facile nous-mêmes comme civils pour nous rencontrer. Et tout compatriotes, pour nous sensibiliser, n'importe ça gagne, pour nous faire connaître, aider, orienter, pour prendre meilleures décisions et dans le pays et Mexique. Est-ce que c'est facile pour un Haïtien d'adapter le site dans le pays Mexique pour le vivre? Oui, c'est facile pour adapter le site Mexique, ok? Parce que moi-même, si on a parlé d'adaptation, je pense que moi-même, et une semaine après mon arrivée au Mexique, je commence à manger pozole, je commence à manger tacos, vous comprenez sans peur, sans crainte, vous comprenez ça me dit là. Bon, il y a haïtien lui-même les arrivé ici, avait dit nous prend partie gastronomique là, non? Partie manger, il y a haïtien les arrivé ici, il peut manger mexicain. Bon, peu à peu on vient habitué ensemble avec elle. Mais ici son pays qui est très facile pour adapter. Pour qui ça? Première raison, peuple mexicain son peuple qui est très hospitalier. Avait dit qui ouvert porte baou, qui d'où bienvenue. Qui partageait tout ça au gagné ensemble avec vous. Vous comprenez son peuple qui est très hospitalier. Et puis, nous ne pouvons pas dire pas de racisme ici. Mais le degré de racisme est très bas ici. Il est très, très bas par rapport à pays tant que les États-Unis. Vous comprenez, côté négatif, vous comprenez ça, Mdoula. Et côté on racisme exagéré aux États-Unis et en pile d'autres pays, l'on prend en Europe, Mexique. Nous avons dit jusqu'ici, il y a une certaine tolérance ici dans le pays Mexique. Okay?
Je pense que si on haïtien tout bon vrai on prend venir avoir objectif soit pour étudier pour faire business ici au Mexique moi même m'a dit clairement c'est un meilleur pays pour mon vivre. Est-ce que vous capable de nous comparaison de l'autre fait arriver ici en termes d'adaptation, en termes de vivre comme un noir si tout dans le pays Mexique avec journée aujourd'hui. Qui différence de l'époque ça avec aujourd'hui? Mon cher, un petit détail qui est très important dans les questions qui sont posées maintenant. Et là, je suis ici en 2010, on noir, je regarde que on voit un prince qui paraît ici au Mexique, non? Un prince, un roi qui paraît ici au Mexique. Tout le monde devait faire photo ensemble avant, tout le monde devait camper au côté, vous comprenez ça, je là. Mais un petit détail qui t'a vu passer, c'est que gagné à l'époque, tu as une certaine naïveté tout bon côté et haïtien, surtout garçon haïtien qui est arrivé ici. Ils ont pantan sous mesdames, ils ont marié ensemble avec mesdames mexicaines, vous comprenez ça, M. Joula? Avec des centaines ou bien même milliers de mariages, même, tu fais ici. Mais tout de suite, et haïtien, tu as quitté mesdames, quitté avec petite nan men yo, ou bien marié, aller, vous comprenez? Et puis, on frange dans la société mexicaine qui commence à venir une petite idée négative des haïtiens. OK? Ça fait ou vinn que à quelques haïtiens ont recevra en 2010, 2011, tout 2015, à quelques là ont gens diminué. Mais jusqu'ici l'amour pour haïtiens toujours est en vigueur ici au Mexique. Il y a toujours des coupes entre haïtiens ensemble avec les mexicains. Il y a effectivement Et, mais il n'y a pas trop. Il n'y a pas trop. Donc, critique, non. Que majorité effectivement. Effectivement. Il faut toujours assurer de ça qui ne fait pas tellement couler sur Haïti. Effectivement. Tout à l'heure, dans le commencement de l'interview, vous parlez de réussite, de progrès. Dans le pays Mexique, dans 14 ans, qui est capable de considérer comme réussite? Dans 14 ans comme réussite, premièrement, nous réussissons socialement. Socialement, nous sommes capables de dire nous réussissons. Nous, c'est une haïtien qui plus reconnaître ici au Mexique. Pour ça, nous faisons dans la communauté, et bon côté haïtien, et bon côté mexicain. Dans le domaine éducatif, nous très présents, très influents. Voyez, non seulement comme enseignants, mais sinon comme conférenciers dans les universités, dans les collèges. OK? Parce que ici au Mexique, il y a une connaissance dans la valeur. Il y a une connaissance dans la valeur. Et deuxième réussite, nous capables de dire que nous faisons ici au Mexique, Mexique offre une possibilité de nous étudier. Je dis à nous gagner un double titre universitaire. Vous voyez, qui est très apprécié dans la communauté. Et l'autre réussite que nous sommes capables de dire, par exemple, on est arrivé au Mexique, la parlé de salaire minimum, non? Et c'est une bagaille qui va, bon, pas seulement Mexique, qui va être problème à tout haïtien dans, dans le monde, là. On prend des vies haïtiens arrivés dans le pays. Puis, gros problème, c'est le salaire. Vous comprenez? Bon, éducation, nous limiter nous, dans le sens de tout. Parce qu'en pile, l'autre nation, les arrivés ici, d'ailleurs, pas même préoccupés pour le salaire. Parce que plus le salaire bas, plus salaire bas dans le pays, plus favorisé, ou même qui a une intention de faire business. C'est ça qu'il faut après, gagner des millions d'Américains qui quittent les États-Unis pour venir investir ici au Mexique. Parce que bill a tellement haut, impôt a tellement haut aux États-Unis, vous comprenez? Il est obligé de venir investir ici au Mexique. Parce que si on paye, par exemple, $15 dans entreprise à payer un emploi et $15 aux États-Unis, vous comprenez? Mais ici au Mexique, la paye de 300 pesos pour journée. Pendant ce temps, la paye l'air, elle a payé l'air $15 aux États-Unis. Ça veut dire qui côté plus avantageux? C'est Mexique qui plus avantageux. Et n'importe qui. Effectivement. Avec dit n'importe qui qui compte faire business, c'est Mexique qui l'a fini. OK. Avec dit ça lui-même, il est très important. L'autre bagaille qu'on a considéré comme, oui, nous rester dans le salaire là, nous-mêmes nous passons d'un salaire minimum tant que tout le monde, voyez, pour nous passer d'un salaire professionnel. Avec dit, là, on a parlé d'un salaire professionnel, on parle qu'un professionnel haïtien qui a touché environ 35 à 45 000 personnes dans le pays Mexique. Pratiquement, et son réussite totale, nous connaissons ici au Mexique. Bon, qui gros salaire, un monde qui n'a pas une profession à toucher ici au Mexique, bon, pratiquement, il y a toujours 10, 12 000 pesos, OK? Mais, et là, nous venons tarif ça nous-mêmes comme professionnels qui travaillent avec l'État, qui sont, et chaque jour, nous prenons promotion dans l'État, OK? Et l'autre bagaille qui nous a réussi, est considéré comme réussite, nous, c'est entrepreneur dans le pays,
OK? Nous gain business ici dans pays Mexique et puis nous gain kay et Mexique offre nos possibilités, nous acheter terre, nous construire kay, nous un paquet de bagages que nous fait ici au Mexique et nous continuer à progresser dans pays. Avec dit pratiquement nous gain tout ça au monde doit gagner pour vivre et comme et nous gain surplus tout parce que normalement l'indice surplus Mexique pas limite dans rien ou même qu'à limiter tête ou dans Mexique. Ou choisir limiter tête ou dit que bon moi-même ça me gaïe dit le Mexique bon parce que normalement qui côté problème là problème là c'est dans tête ou lié du moment qu'on sent tout limité ou limité ouais et une bagaille que me considère comme plus gros réussite moi en quitter ni bien matériel ni l'autre bagaille c'est service qui me bail compatriote dans la société là OK parce que tant qu'on est haïtien son peuple qui sans relais sans répondre sur la terre. OK, qu'il était aux États-Unis, qu'il était en Europe, qu'il était au Canada, qu'il je dis à me sentir me fierté dans moi côté que chaque jour m'a recevoir de 3 à 400 monde qui a fait crime, OK? Qui a fait crime pasteur Frisnel ou qui a aidé dans tel bagage pasteur Frisnel bon orientation dans tel bagage pasteur Frisnel aidé et fait tel bagage, vous comprenez? Me sentir son fierté qu'il y ait pour moi, vous comprenez? Me pas sentir plus que l'autre non, mais me sentir son serviteur pour tout le monde. OK, me sentir son serviteur pour tout le monde. Ça veut dire ça son grande fierté qu'il y ait leur servi compatriote. Et il n'a pas même toujours dit compatriote, même Jean Gon et compatriote qui t'ai dit on l'est qui t'ai sorti Chili. Il t'a dit pasteur Frisnel, tellement entendu parler de où, moi son nègre moi au Mexique, c'est non vite pour me garder pour me d'avoir parce que on connaît nous même haïtiens nous choisi classe nous rapide. Vous comprenez du moment que nous gon on certain moyen économique rapidement nous gagnons dans classe nous gagnons dans quel niveau nous y mais moi même malgré tout progrès que me fait ici au Mexique me toujours mettre en prendre comme serviteur pour tout haïtien et haïtien besoin joindre moi depuis me gain disponibilité à me disponible pour me rencontrer et n'importe haïtien qui vit ici au Mexique et me toujours dire haïtien en bagaille pour moi même pas gain ni pauvre ni riche, quel que soit mon gueule ya mon service. Il y a des bourgeois qui sont en Haïti, qui viennent ici au Mexique, qui besoin faire business. Là, ils veulent soit dans l'ambassade là ou bien contacter l'autre monde et puis ils disent non, on a tab ici, c'est seul monsieur capable d'orienter nous. Qui est le pasteur Frisnel? Et puis rapidement, il va au téléphone moi, il relève. Ah pasteur Frisnel, moi-même c'est tel monde on prend temps mais investi dans pays ya. En tout cas, mais on dit c'est celle ou même qui a expliqué nous marché, qui a donné une idée de Mexique. On voit sans problème réunir ensemble avec un bureau. Et puis, il y a plusieurs représentations d'organisations qui sortent en Europe, qui sortent aux États-Unis, qui sortent en Afrique, qui sortent en Asie pour venir rencontrer Mexique. OK, toujours recevoir dans bureau là dans l'église là, vous comprenez nous toujours faire rencontre, vous comprenez soit y aurait depuis en Europe même, on prend dit on prend pasteur Frisnel, nous tendez n'a font travail extraordinaire ici au Mexique, nous t'aimer rencontre, vous comprenez parce que nous même c'est investigateur telle université, nous même c'est représentant telle organisation et puis sans problème dit on prend pas un problème du moment qu'on dans pays à aviser et puis m'a recevoir dans bureau. Nous toujours recevoir sans aucun problème. Et dernière réunion qui m'a participé, qui m'a défié en pile, quand m'a défendu la cause haïtienne, c'est que tu as une délégation et département d'État américain qui t'a demandé mon réunion. Délégation, ça t'est composé de département d'État haïtien et américain. Il était composé de ACNUR, il était composé de ambassade américaine dans le pays Mexique, il était composé de l'ensemble des maisons d'accueil et qui gagnent aux États-Unis pour bay migrants attention qui t'est venu rencontrer ici. C'est ton grande fierté. Vous voyez, ça veut dire travail n'a fait à nous arriver loin, il vient dans oreilles tout le monde dans le monde là. Ça fait son grand fierté pour nous. Il y a une question que j'aime toujours poser sur la plateforme. Et je dis à pendant que nous jouons, on a obligé de profiter, de piger avec toute information, ça, et c'est l'expression. C'est parce que, en tant que monde qui a 14 ans au Mexique, et vous avez raconté un paquet de belles expériences, la communauté qui remet étudier toujours demandé des informations de A à Z, comment un jeune haïtien qui arrive ici, capable d'entamer études, soit primaire ou bien universitaire, par exemple, secondaire universitaire. 80 à 85% éducation ici au Mexique, c'est gratis qu'elle est. J'en ai dit dans le pays, nous, gratis, t'y chéri.
Ça veut dire ici, le Mexique, c'est l'État qui investit dans l'éducation. L'école privée qui a représenté pratiquement 5 à 10%. Okay? Mais on a parlé de 85 à 90%, c'est public qui est. Ça veut dire tout le monde dans le pays a accès pour aller à l'école gratis. Tout le monde. Et dans l'université de l'État, oui, il n'y a pas son petit concours, non, pour être capable de voir qui niveau qu'on vient ensemble avec. Okay? Mais pratiquement, le concours, sur chaque 100 personnes qui ont participé dans le concours de l'État, on a dit 80, 90 passés dans eux. Okay? Il y a tellement de systèmes ouverts pour former les gens. Vous comprenez? L'école basique même, quel que soit, les gens qui partent ici, même les petits migrants qui partent au moins sans papier dans le pays, ils recevront l'école. Ils recevront l'école ni kinder, ni primaire, ni secondaire, ni préparatoire. On prend depuis son petit, un monde qui migrant là, qui part là, on prend, ils mettent pas de bons mots sur papier, ils ont pas quitté petit là dans la rue. Et quel que soit dans moi, mon dans ta vie. Quel que soit dans moi, arrivé à recevoir l'école. Quel que soit dans moi, moi-même me fait plus jeté ici entre l'école là. On prend un dit, on prend et pasteur Frisnel dame petit moi l'école. Rapidement, nous orientons les gens vers l'école, et puis, dans demain matin, petit dit, à l'école, en vrai, dans demain matin, c'est vers faire uniforme, et puis, tout le monde l'école. Il y a des gens qui font des études ici, là, déjà. Par exemple, il y a un jeune haïtien qui t'a voulu entrer dans l'université, quel était l'État, quel était privé, qui genre de critères qui ont demandé, si au niveau des documents, par exemple? Au niveau des documents, et, faut gagner un papier baccalauréat haïtien. Si ils avaient dit, son monde qui finit études classiques là, en Haïti, déjà. Il faut venir ensemble avec les documents et Haïti, baccalauréat. Il faut déjà légaliser en Haïti. Il faut déjà légaliser et dans instance pour légaliser en Haïti et ambassade Mexique qui est en Haïti. OK? Et là, on arrive ici, on traduit le document ça. On y a là où aller dans SEP, qui est l'équivalence ministère de l'Éducation nationale en Haïti. Et ici, il y a le secrétariat de l'éducation publique. OK? Ou aller là, gagner un département en dedans même pour révalider et études sont faites en Haïti. Et du moment qu'ils révalident rapidement, ou gagne accès pour entrer à l'université, j'en veux. Mais gagner un point spécial pour les gens qui sont réfugiés. Réfugiés, pas besoin de tout bagaille ça. Parce que le fait qu'ils sont réfugiés, ils connaissent les gens qui soit un petit problème dans le pays, ou comprennent ou pas qu'à tout, pour iPhone, et pour iPhone, c'est des bagailles. Toute porte université Mexique ouvre pour vous comme migrant ou entrer étudier sans problème. Parce que la première condition de ce barouah, c'est pour un monde qui entre Mexique normal. On voit qui parle. Effectivement. Ah, y a, moun sa li même obligatoirement, faut y venir avec documents ça. Mais pour un réfugié, par un bagaille comme ça. Depuis ces réfugiés, d'ailleurs, je dis toujours ça. Si on réfugie haïtien, te kon, sa Mexique te offre, il m'a garanti, c'est chita, c'est real, d'après tellement, il y a un bénéfice pour lui dans le pays Mexique. Nous avons une vidéo spéciale sur ça, parce que nous avons parlé dans les coulisses sur tout avantage qui ont réfugié haïtien et qui recevoir soit réfugié ou bien protection complémentaire, capable de bénéficier. Effectivement. Alors bon, vous avez tout détail sur ça qui est avec l'éducation, parce qu'il y a un pile de jeunes qui m'a demandé mes informations, ça. Et maman petit, papa qui m'a demandé comment dossier l'école là. Alors, nous avons toute information. Et l'autre question que je suis capable de poser, est-ce qu'il est difficile pour un haïtien capable de posséder un terrain, un caille dans le pays Mexique? De pour une résidence permanente, ou acheter terrain dans le pays ça à l'aise, ou acheter caille à l'aise. Au contraire, gon et réforme constitutionnelle qui pourrait le faire là. Qui est président sortant, qui c'est Andrés López Obrador, et Guintan gagne 20 réformes qu'il va envoyer dans le Parlement à partir de septembre qui vient là. Et de pour gagner un an de travail, ou capable d'acheter qu'à ici de Jonvelé. OK? Avant, ce n'est pas consulté. Avant, il faut avoir un nombre d'années, un nombre de points pour être capable d'acheter un caille. Mais je dis à, de pour, à partir des réformes qui vont faire là, de pour gagner un an de travail dans l'entreprise, ça veut dire. Il pourra le faciliter, même haïtien qui est arrivé là, qui a balé nos entreprises, on prend dans un an capable de faire à l'aise. Ok, on a parlé des gens qui résident. Résident. Yeah, qui ont résidence permanente, qui travaillent formellement. On a parlé formel là, par exemple, on a gagné RFS. Effectivement. On a gagné assurance sociale. On a gagné résidence permanente. Effectivement. On a contrat de travail. Après un an, il pourra le qualifier pour l'acheter en caille normal dans le pays. Crédit. À crédit. À crédit. Yeah. À travers des fonds. À crédit. Il y a 30% seulement sous et sur touché.
Voilà, intéressant. Alors, et parce que c'est pas comme c'est premier. Et puis, il y a une bagaille qui est intéressant que me il y a une bagaille qui est intéressant que me voulais ajouter pour et fanatique Leona Show. Et moi-même ici au Mexique, m'a dit que m'a pas acheté caille crédit. Moi, je construis caille. Je construis caille, m'acheter tem construis caille avec l'argent que me gagné ici au Mexique. Ça veut dire ça veut dire normalement le fait que moi-même son un professionnel qui a bien travaillé dans pays là. Qui a bien travaillé dans le pays, a, et puis choisi, m'achetant un thé qui coûtait environ 250 000 pesos, 250 000 pesos mexicains, qui sont pile thé. Bah, on est, et j'aime bien l'exprimer là, et parce qu'il y a un pile fois qu'on fasse, on dit, thé en Haïti, mais ici, le Mexique, c'est pas mettre thé contrôlé. Moi-même, m'acheter 500 mètres thé, elle me parle de 500 mètres thé, on pile thé, vous comprenez? Que sous thé, ça me construit un caille 127 mètres, ok? Mais pendant ce temps, j'ai gagné presque 3-4 à qui était. Au moins 3-4 à qui était. Est-ce qu'il y a une possibilité pour Leonacho de visiter Kai? Effectivement, pas bien aucun problème, pas bien aucun problème. Les Leonacho prêts, nous sommes capables de visiter, nous sommes capables de visiter zone là. Vous comprenez? Il y a haïtien réussi. Effectivement. Dans le pays Mexique. Sans aucun problème. Okay. Vous voyez, sans aucun problème. Et je pense que le Mexique tellement offre opportunité, tellement offre opportunité. Et son pays qui lui vaut la peine pour un haïtien vienne faire expérience ça ici au Mexique. Vous comprenez? Mais pour un haïtien faire expérience ça, nous besoin font dépassement de soi, retirer ça et mettre dans tête nous pour faire nous connaître pour nous vivre comme nous c'est seulement aux États-Unis pour lier. C'est pas vrai. Pas j'aime dire aux États-Unis pas bon, il y a monde qui réussit aux États-Unis. Mais m'a dit quel plus facile. On compte ça m'a dit le plus facile pour réussir aujourd'hui dans pays Mexique qu'au réussir aux États-Unis. Gros parole, gros déclaration. Alors, bon, c'est que tout détail et qui est en bas là, comme moi t'as dit, c'est pas premier ni dernier occasion que nous allons dialoguer et nous allons vous visiter au Lacayou. Nous t'arrêtons mais ouais, espace, nous t'arrêtons visiter Lacayou et ça fait un plaisir d'être choisi partager information ça avec communauté à pour plus orientation. Si vous avez un dernier conseil qui va porter à chaîne ou bien tout haïtien en général jodi a la ki chita kap stressé kap tan ti bidouan pou États-Unis ki conseil li te kapab bay. Si mon gon conseil ki m tap bay surtout jeune haïtien en Mexique. Jeune haïtien ki rive Mexique la m tap di yo sans langue de bois à l'école. Ouais, sans langue de bois si mon gon conseil ki m tap bay un jeune haïtien ki rive ici la m tap dou à l'école. Alors ou invité ou ignorer si BP1 nan. Effectivement. Claire à l'école. OK? Si gen un moun ki âgé qui arrive ici au Mexique. Parce que le fait que nous avons un mythe salaire dans la tête, nous, ok? Et puis, nous n'avons pas disposé pour le temps apprendre à faire business, m'a dit, continuez aux États-Unis. Bon, les rivières pourraient subir les conséquences, parce qu'elles pourraient le voir, ça, deal, ça, mettre dans la tête, là, on prend les papiers, les liens aux États-Unis. Parce que normalement, mode de vie est différent. Mode de vie est différent. Et ici au Mexique, par exemple, qui s'habille ici au Mexique? On t'y courant, on t'y de l'eau, non? Qui bille ici au Mexique. Il y a côté affaire, mais appartement, tout ça. Effectivement, il y a son petit bille courant, un petit bille l'eau à payer ici au Mexique. OK? Et ça va dépendre de qui ça va consommer, non? OK? Avait dit, ils sont bas, ils gavinent 100, 200 pesos chaque 2 mois. OK? Chaque 2 mois. Courant et de l'eau payer chaque 2 mois ici au Mexique. OK? Et puis, Internet, il n'est pas obligatoire. S'ouvre, prends-le, prends-le. Et moins Internet. Et le plus avantageux. Le plus avantageux pour Internet, là, car où? Au lieu que on va marcher mettre 4 sous téléphone ou il plus avantageux pour gagner la caille, OK? Et parce que il y a effectivement son plan et environ 300 pesos, 400 pesos à la rigueur 500 pesos ou mettre la caille et puis on gagne bon genre internet là. OK, bon genre internet. Ça vaut environ 30 dollars américains. Et effectivement, environ 30 dollars américains. Bon connexion internet. D'ailleurs, ici au Mexique, nous ka dit pour ne pas exagérer, nous ka dit 80% monde gagne en connexion Internet installée la Cali.